Le meilleur choix de Monsieur Vert de Terre. Auteur et illustrateur, Léa Allard, Mathis Beauchemin, Gabriel Charrette, Alice Duplessis, Antoine Fortin, Félix-Antoine Giguère, Benjamin Grenier, Élijah de Lamotte, Derek Payet, Malika Marcoux. A. Florence, Émeric, Marie-Lie, Jeff, Juliette, Milan, Charles, Rosie, Marico, Jacob, Olivier, Lucas et Loïc, qui ne sont pas revenus en classe avec nous durant la pandémie. On vous aime! Il était une fois un ver de terre qui s'appelait le ver de terre. Il vivait dans un trou et il avait 5 ans. C'était en 2015. Le ver de terre était généreux et fiable parce qu'il construisait des maisons pour les autres. Mais un jour, il eut mal aux anneaux et à la tête. Il décida alors de prendre sa retraite et d'aller travailler comme professeur. Donc, il retourna à l'université pour apprendre à enseigner. À son premier stage d'enseignement, il trouva tout trop difficile. Oui, tout trop difficile. Il ne savait pas les mathématiques, le français et l'anglais. Il y a eu un très gros problème. Il ne savait pas lire. Il n'était pas capable d'ouvrir le TNI. Il avait oublié son mot de passe sur l'ordinateur. Il a essayé de faire les tâches demandées et tous les élèves ont ri de lui. Il s'est fait renvoyer par son directeur. Après avoir été renvoyé, il décida d'aller faire le métier qu'il avait toujours rêvé, pilote d'automobile. Vert de terre perdait souvent la clé de sa voiture de course. Lorsqu'il trouvait sa clé, il ne savait pas de quel côté la tourner pour démarrer la voiture. Une fois démarré, il ne parvenait pas à changer correctement les vitesses. Alors, il brisait la transmission. Finalement, il fonçait partout. Il faisait des accidents parce qu'il ne savait pas conduire. À sa sortie de l'hôpital, il décida de ne plus refaire ce métier. Finalement, il voulait faire les Jeux olympiques. Lors de la course à obstacles, il a rampé dans le sens inverse. Mais il n'était pas assez rapide et il n'était pas capable de sauter. Tout le monde rit de lui. Après la course, Vert de Terre a décidé de faire le saut en hauteur. Au premier saut, il a lâché trop tôt la perche et il a atterri chez les spectateurs. Au deuxième essai, il a planté sa perche dans ses anneaux. Finalement, il s'est retrouvé en chaise roulante. Après des mois d'essai, il ne trouva pas de travail qui lui convenait. Alors, il va prendre sa retraite. Il décida donc d'aller vivre dans une résidence pour vers âgés. Finalement, Vert de Terre s'est fait des amis et s'amuse avec eux à danser, nager, se reposer, jouer aux cartes, au billard, au bingo, au mini-golf et aussi à aller ramper. L'année de son 6e anniversaire fut un succès. Fin.